faisais un gros jump à 86 kilos. Donc j'étais un petit peu... voilà, là, j'avais besoin de me rassurer. Ça, ça m'a vraiment rassuré, quoi. Donc là, je passe à 86 kilos. Donc j'avais deux caméramans, un depuis qui filmait depuis la scène, puis un depuis le public. Et là, voilà. Et là, c'est l'erreur. Alors en fait, je sais déjà ce que j'ai fait comme erreur parce que j'ai eu le temps de le potasser, de re-regarder la vidéo. Cette main-là, je l'ai mal placée. J'ai ouvert trop mon poignet. Donc c'est beaucoup une question de maintien de la barre avec le poignet, ce sport. Et en fait, en ayant passé déjà mon poignet un petit peu, vous voyez, un petit peu ouvert comme ça, et ben en fait, la barre, elle est partie de l'axe et elle s'est écartée de moi. Et en fait, tout est une question de garder le centre de gravité le plus proche possible du corps. Donc c'était pas rattrapable. Donc là... Là je me foire et là je me dis putain non. Parce que là je me dis je me suis cramé même énergiquement, j'ai pris beaucoup de force. Donc là vraiment toute la confiance que j'avais avant elle part. Et je me dis putain t'as fait une énorme erreur technique. Donc là dans ma tête je me répète reste proche du corps, reste proche tu vois. Là j'y vais vraiment en me disant qu'une chose, te foire pas, la garde-la proche de toi quoi, la laisse pas se barrer. Et là voilà, je prends bien le temps de me placer avec mes mains. Voilà, on voit tout ce que j'en ai chié à l'entraînement. Je prends bien le temps de me placer. Vous voyez là déjà la barre comment elle est? Elle est bien contrôlée par mes avant-bras.